Salut les morues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de la faire. J'ai reçu un colis. Ta-da-da! Hello body. Alors je précise d'avance, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Parce que j'en ai parlé sur Instagram. Et j'ai vu beaucoup de gens me dire félicitations nani nana. J'ai payé. Je rajoute ça au début parce que j'ai oublié de vous le dire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il va y avoir un petit concours Hello Body du coup que je fais moi-même sur mon Instagram. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et je vous expliquerai tout. Donc ça fait longtemps que j'avais envie de tester la marque Hello Body. Enfin, non, pas vraiment, mais genre, en fait, je suis tombé sur un code promo de ouf, 50%, et je me suis dit, allez. Bim, j'achète. Donc, c'était un kit qui était quand même, je crois, à 180 euros de base, réduit à 120 euros, quelque chose comme ça, sur le site, moins 50%. Donc, j'en ai quand même eu pour 65 euros. Donc, vous recevez ça là-dedans. Et quand vous ouvrez, vous avez les papiers et vous avez les produits, comme ceci. Je tiens juste à dire que je suis un tout petit peu déçu. Parce que, mine de rien, vu le prix, vous pourriez quand même faire une étiquette histoire de dire merci de votre commande, merci de ta commande, ma biche. Bisous sur tes fesses, j'en sais rien, coucou kiss. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est qu'un détail, j'ai l'impression que c'est une commande Amazon, quoi. Ensuite, donc, du coup, avec mon code, j'ai eu 50% de réduction. Donc, j'ai le Coco Day dans mon kit, le Coco Wow. Je vous explique tout ce que c'est après. Coco Fraîche, Coco Pur, et deux petites crèmes. Donc, le tan, c'est une huile en fait, c'est pas une crème pour bronzer la peau, un petit peu le visage. Et ça, c'est une espèce de crème hydratante qui va être protectrice pour le soleil. Donc, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai acheté ça mardi et j'ai découvert le mercredi que Lidl avait fait des dupes de toute la marque Hello Body pour vraiment pas grand-chose au niveau du prix. J'ai été à Lidl, je les ai pas trouvés. Vous avez de la chance parce que j'aurais fait une comparaison et si ça avait été la même chose, je vous en aurais voulu de malade parce que faire payer 60 euros avec 50% de réduction déjà. Déjà c'est cher, après peut-être que la compo est pas la même, donc je peux pas juger. En tout cas, je trouve que Lidl c'est pas cool parce que ils ont vraiment repris exactement le même truc. Si je retrouve le TikTok et que je peux, je vous le mettrai quelque part. Donc du coup on va faire un petit crash test. Donc moi franchement je vous avoue j'ai acheté à la base, c'est surtout pour ça parce que j'adore tout ce qui fait bronzer. C'est une petite huile comme ça. Hello Body Tan, ils appellent ça. Donc petit disclaimer vite fait avant de commencer, moi j'ai la peau mixte, ok, donc basez-vous là-dessus. Chaque peau est différente, vous voyez moi j'ai pas beaucoup de boutons d'habitude, là j'en ai vite fait là, mais... Voilà quoi. Donc on va commencer avec le Coco Fraîche, il me semble. Donc c'est le Detox Face Cleansing, donc c'est un nettoyant. Je sais pas s'il faut nettoyer, donc... Au niveau de l'odeur, c'est similaire à l'autre produit quand même, ça se ressent beaucoup. Hop. La sensation sur la peau est pas désagréable déjà. Franchement, vu le prix, si avec ça après tout le monde ne veut pas me sauter dessus dans la rue, que j'ai pas une gueule de pouf incroyable, je porte plainte. Bon. On va se rincer et on va voir. Je suis vraiment une nouillasse, ça m'arrive tout le temps, bordel. J'aurais dû faire le Coco Wow avant de faire le nettoyant, comme ça j'aurais eu les pores plus dilatés. C'est pas grave. Bon, là j'ai des rougeurs, c'est le gant. Hein, vous inquiétez pas. J'espère que c'est le gant. Je crois que je fais une réaction allergique. Non. Mais imaginez, je suis allergique à la coco et je le savais pas. Bah non, j'en mange des gâteaux à la coco. Mais c'est bizarre là. C'est pas juste le gant qui a fait ça. Oh merde. Et là aussi. Vas-y, mais putain de pute de merde. Non, j'y crois pas. Ah si c'est ça, je suis dégoûté de ouf. Non! Ça peut pas être mon gant qui m'a fait ça quand même. Bon là du coup, on est plusieurs jours après. J'avais continué la vidéo de base, mais je me suis rendu compte qu'en fait avec toutes les rougeurs que ça m'avait fait, ça servait à rien, c'était claqué de faire ça. J'ai refait un test du coup le lendemain. Donc j'ai utilisé Coco Day. C'est la crème hydratante et en fait ça ne m'a pas fait de rougeur. Donc c'est vraiment le Coco Fraîche, le nettoyant. Donc c'est pas fait pour moi, on va éviter. Donc là on va tester ensemble le Coco Pur du coup. Hop, donc en fait c'est un gommage. Donc tout le temps vous avez des graines de... On dirait de la merde mais vous avez... Sans le café, vous avez des graines de café. Hop, et on va le faire ici. Je le fais que sur la zone T moi parce que j'ai pas besoin sur les joues. On sent bien les grains, vous pouvez même les voir. Hop, bah écoutez, j'attends, je laisse poser, je me rince la gueule et je reviens.
Donc là, j'ai la gueule vite fait rouge parce que j'ai frotté avec le gant. Franchement, j'ai la peau carrément plus douce. Hein. Ça m'a bien. Je sais pas comment expliquer, je sens que ça désincruste. Après, je pense qu'il faut que je le fasse plusieurs fois. Moi, j'ai beaucoup de points noirs sur le pif. Et du coup, vous avez aussi le Coco Wow pour matifier. Alors là, attendez, c'est génial ça. Ça purifie les pores. Ça contient de l'argile de rose. C'est pour l'excès de sébum. C'est de la merde. Ah, ça sent bon, putain. On peut gaspiller, on va récupérer ce qu'il y a sur le machin. Bon, déjà, ça s'étale super facilement. Je vais en mettre de trop. En fait, je sais pas si c'est un masque qui sèche et que je dois le laisser poser ou pas. Ah ouais, laisser poser 7 à 10 minutes. On se retrouve après. Du coup, j'ai laissé poser, j'ai rincé. Voilà, j'ai la peau douce, ça c'est sûr, mais ça m'a fait, après là, parce que je viens de frotter, mais enfin bref, je trouve que ça fait ressortir un petit peu, franchement carrément, c'est super dark, j'ai la peau toute douce, j'ai envie de la toucher, tout ça, mais je vais la rendre grasse, mais ça fait ressortir encore les rougeurs, enfin bon bref. On va tester ça du coup maintenant, Coco Day, j'ai déjà testé tout seul, mais du coup il faut que je le reteste avec vous, peut-être que du coup ça va être mieux d'ailleurs. Ça sent bon, mais ça sent pas trop fort. C'est bien parce que des fois, t'as des crèmes hydratantes, elles puent. Elles sont trop fort là. Elles sont de parfum. Ah, ça va pas recommencer. Je rougis. Ah bah, pas deux fois quand même. Je l'ai réutilisé dans la semaine, ça l'a pas fait. C'est dingue, ça. Je comprends pas parce que je l'ai utilisé il y a 2-3 jours et moi, ça m'a pas fait ça. Enfin, après, c'est pas... Voilà, mais j'avais une meilleure tête avant de commencer, quoi. Enfin bon bref, du coup dernier produit, celui que j'aime le plus, j'ai déjà testé mais je vais le refaire devant vous, c'est l'huile qui donne un teint plus hâlé, plus bronzé, t'as capté, parce que je me trouve un petit peu ballot. Alors du coup, hop, on prend en badigeonne, on fait une gueule des merdes et on masse. Hop, on en met bien partout pour pas avoir de démarcation. Et du coup, ça agit au fur et à mesure des heures, donc forcément, je vous montrerai le résultat final demain. Du coup, les gars, là, on est le lendemain de l'utilisation de l'huile. Je sais pas si vous voyez, je trouve que ça fait vraiment quand même un joli teint, légèrement plus bronzé, bah, vous pouvez le voir un peu. Et c'est pas trop, parce que des fois, quand tu utilises des crèmes ou tout ce que tu veux, parce que j'avais testé d'autres choses de chez Garnier, et bah, ça te fait un peu orange, tu vois, tu mets une fois et puis c'est parti. Que là, c'est pas trop dégueu, tu vois. Ça fait vraiment... ça fait pas vraiment bronzer, mais ça fait genre ta bonne mine grâce au soleil, t'as compris. Ça fait tanner. Ça, franchement, j'adore ce produit. Du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va parler du concours. Donc, je vais faire un petit concours sur mon Instagram, en fait, parce que du coup, je vous explique. Quand j'ai commandé les produits, j'ai eu 7 crèmes Coco Day en cadeau. Et du coup, bah, ça me sert à rien d'en avoir 2. Donc, je vais organiser un petit concours sur mon Instagram. Donc, vous aurez toutes les informations sur un post qui sera sur mon compte Instagram. Donc, mon compte, je vais vous le mettre juste ici. Vous l'avez aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et toutes les explications seront sur le post. Donc, voilà, c'est tout. Et moi, je vous dis à plus les morues.